Je m'appelle David Point, j'ai 42 ans, je suis chargé de recherche à l'Institut de recherche pour le développement au laboratoire Géosciences Environnement à Toulouse. Mon travail consiste à étudier le cycle du mercure dans l'environnement et en particulier mieux comprendre ses impacts et les risques associés à ce polluant dans les milieux aquatiques. Actuellement, la mesure des polluants tels que le mercure, qui sont des effets toxiques à des concentrations extrêmement faibles, est avant tout une affaire de spécialistes utilisant des techniques spécifiques. Et donc le but de ce projet, en fait, c'est de valider une nouvelle technologie innovante capable de simplifier et d'accélérer la mesure de ce polluant en sortant les technologies du laboratoire et en les mettant dans les mains de personnes non expertes telles que des élèves de collège qui vont participer activement à l'utilisation de ces capteurs et à la production de données scientifiques de la concentration en mercure dans les eaux de la Garonne. Alors l'objectif en fait c'est de créer un observatoire participatif de la qualité des eaux en mercure dans le bassin Andro-Garonne animé par des élèves de collège qui utiliseront notre capteur et une application mobile dédiée qui nous permettra de pouvoir visualiser la qualité du milieu. Le financement de cet appel d'offres va nous permettre de pouvoir d'abord terminer le développement de l'application mobile associée à notre capteur qui va nous permettre de gérer et d'archiver les données et en même temps de pouvoir créer et animer ce programme d'observation pilote animé par des élèves de collège.